right. No, bitch, be on. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une machine qui fait remonter des blocs comme le sable, le gravier, le béton en poudre et c'est tout, je crois. Enfin, tous les blocs où la gravité n'existe plus ou existe, je ne sais plus. Bref, donc ça les fait remonter tout simplement. Donc j'utilise le même système que j'utilisais pour la machine à gravier pour en avoir. Donc la machine, ah voilà, elle est là. Donc ce système là, et je le fais à chaque fois. Voilà, pour les faire remonter. Donc on part de tout en bas jusqu'à je sais pas combien de blocs de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, 8 blocs de hauteur. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà ça pour les 8 blocs de hauteur. Donc en fait, tout simplement. Vous allez mettre donc pour le délai, déjà pour le délai, je vous expliquer là-bas, ça ira mieux. Pour le délai, donc c'est ici. Donc vous allez mettre un piston. Donc vous allez laisser, donc le gravier va arriver ici. Le piston va s'activer. Donc le piston collant, donc il y a un bloc d'écart. Le piston collant va s'activer. Donc il n'y a pas de délai pour le piston collant. Et pour le piston normal, donc sur le côté qui va le, en fait, ça va le monter, ensuite le pousser. Donc ça n'aura pas le temps de redescendre en fait. Donc vous allez mettre au tic 2 et vous allez tout rejoindre jusqu'au bouton. Donc je vais vous faire déjà un petit test pour commencer. Hop. Donc là on fait rentrer le sable. Alors oui, j'avais déjà fait rentrer avant, mais en fait non, ça doit faire ça. Hop. Donc on en détruit. Non, on détruit pas là. On détruit. Donc, non, ici il n'y en a plus. Donc ça arrive ici. Hop. Là, non, si il en manque, vous en mettez. Vous appuyez sur le bouton. Voilà, donc ça va aller ici là-bas. Donc ici là-bas. Voilà. Ça va arriver jusque là-bas. Et ensuite. Donc normalement on voit pas. Mais le sable il est là. Enfin ici, il y en a encore un. C'est au bout du dixième que ça va tomber. Je vais vous faire voir. Hop. Voilà, c'est au bout du deuxième à chaque fois. Donc pour le test, ensuite, quand on a fait ça, on fait ça. Voilà, donc là du coup faut attendre. Hop, on remet. Hop. Donc là c'est parce que la machine j'avais pas encore fait, du coup faut attendre un petit peu le temps que tout le sable se remette ici là par exemple. Donc là normalement ça devrait marcher. Voilà. Donc en fait. Ça va marcher deux fois, ensuite va falloir remettre du sable deux fois et ensuite quand vous pourrez appuyer deux fois, ça va marcher. Donc là on met du sable. Voilà, donc, quand il y en a plus on en remet. Alors pourquoi j'ai mis un bloc d'obsidienne ici? Pour éviter qu'on pousse ici, hein, qu'on en mette jusqu'à l'infini. Enfin pas jusqu'à l'infini parce qu'à un moment ça s'arrêtera vers ici. Donc j'ai mis un bloc, comme le piston ne peut pas pousser ce bloc là. Donc c'est pareil, pour pas casser la machine j'ai mis un bloc ici. Et c'est tout. Oula, là on peut continuer par exemple. Voilà. Ah bah voilà. C'est tout. C'est tout. Ensuite pour les pistons ici là, ceux-là. Donc pour le premier, là j'ai mis des repeaters parce que pour que ça descende jusqu'au bouton, on met un repeater. Hop. Donc là. J'en ai fait un premier qui pousse vers là-bas. Et ensuite, ça commence à monter. Donc là, ça remonte. Ça remonte encore. Hop, j'ai fait quelques zigzags. Hein, ça remonte. Et arrivé ici, hop, un petit piston qui va pousser. Pour que ça aille jusqu'ici. Hop, voilà, on détruit. Et donc, pour ce piston-là, il faut du délai. Donc moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 repeaters en 5 tics. Et pour les lumières, bon, on met pas de tic, hein, ça sert à rien. À part là, parce que pour le faire monter, il n'y avait pas assez. Donc j'ai mis, hop, les lumières. Donc cette lumière-là, c'est pour ce bouton-là. Et cette lumière-là, c'est pour ce bouton-là. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas trop compris, ici, rembobinez la vidéo. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il est simple. Ouais, il est simple en fait. Ça va.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et abonnez-vous. Bye!